façon, c'est Forêt Quiem et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo en ladder avec la facecam. Probablement mon deuxième écran, je ne sais pas, vu que la cam est là. Mais du coup, c'est très le changement. Et j'ai pas l'habitude de regarder la caméra parce que ça fait bizarre quand je parle vu que je regarde mon écran en général, mais on s'en fout. Et donc du coup on se retrouve pour l'épisode 23 du ladder sinon. Et je vais appuyer sur un VS1. Il n'y a pas eu de ladder la semaine dernière. Pas vraiment de raison encore une fois. Juste la flemme. Ah oui, et demain aussi il y aura une superbe vidéo de PvP de Dragon Nest. Oh quoi? Il y a un événement PvP, génial. Espérons que ça va attirer des gens en ladder, mais au contraire, peut-être que les gens du ladder vont partir pour aller un PvP normal. Alors, on a trouvé le premier combat finalement. A mon avis, l'event il va plus nous faire chier qu'autre chose. On verra bien. Bon, comme d'habitude, les excuses, j'ai pas joué à Dien depuis des mois. En plus, c'est vrai. La dernière fois, c'était la dernière vidéo, comme à chaque fois. Non, attends. J'ai plus, je crois. Non, si, j'ai un peu joué, mais chez moi avec mon autre PC. Enfin, pas chez moi, chez ma mère. Enfin, bref, est-ce que je suis en bulle PvP? Oui, incroyable. Et j'ai plus de son, what the fuck. Et ça va être une bonne vidéo, je sens. Dragon Nest sans son, par contre, c'est vraiment horrible le PvP. Parce que voilà, je peux absolument pas entendre genre quand il esquive tout ça. En plus, on le connaît lui. C'est le Raven qui est bon. Non, c'est pas un Raven, c'est un Raven. Enfin, je le baisse. Ouh, c'est de la bouffe celle-là. Je sais pas où il est. Je devrais pas utiliser Finish Attack, enfin, position d'attaque en mode duo comme ça, mais. Tant pis. Je fais ça, je ne sais pas. Ouh, j'ai tapé combien de fois avec ce coup? Eh, il a une queue de renard, c'est stylé. Ça, avec les trucs avec les events. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, il a pas eu le rebond. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Oh merde, non, 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 non. Yeah. Putain, par contre, c'est vraiment dégueulasse ça en ce moment. Bon, si, voilà, s'il me recache là, c'est mort. Là j'ai plus de raison. Mais vu que j'entends pas ses attaques, c'est plus difficile en fait. Bon. Avec la concentration aussi, le pitié. Non. Oh, je l'ai touché. Ah, the fuck, ça lag. Grâce. Bon, là, on va jouer safe. Ah, t'es venu sur moi. Oh, je l'avais tourné, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il peut faire le truc de lessive après. Oh! Mais putain, il a absolument tout le temps cette attaque, c'est un truc de malade. Là par contre, ouais, je vais dire que c'était parti pour le combo, mais en fait non, vu qu'il a eu son tas. Mais bon, ça va, j'ai la moitié de ma vie. Je suis plutôt tranquille. Attendre qu'il nous charge. Voilà. Bon, du coup, je vais faire un retour parce que je sais pas pourquoi j'ai pas son. Ok, donc de retour. Le problème technique est réglé, je sais pas c'est dû à quoi, mais voilà, normalement du coup il y a du son. Pour tester mon son d'ailleurs, je suis allé voir sur YouTube et j'ai mis une vidéo au hasard, et c'était la vidéo du Cap 90 de Dragon Nest. Donc voilà, on vient d'apprendre qu'il y avait du Cap 90 qui sortait en février du coup, je pense. Et du coup c'est bien, on a gagné le premier combat même sans le son. Et en fait c'est bizarre parce qu'il me faisait vraiment pas mal. Bon en attendant moi je trouve toujours pas de combat comme d'habitude. En plus mon rating est moins haut que certaines autres fois. Requiem, lol, PTDR. Oh, et on a trouvé le deuxième combat. Vobi, j'ai aucune idée de c'est quoi. Y'a rien sans stuff. Avec l'épée qu'on a eu gratuitement et les trucs gratuitement. Bon après ça veut rien dire sur le talent du joueur mais... Ça veut dire en tout cas qu'il a jamais payé, c'est tout ce que ça veut dire. Gladiator aussi. J'ai pas vu son grade par contre. Ouais. Pourquoi? C'est vrai que... C'est pas grave, je lui ai mis un coup et pas lui. Tout va bien. Et il a gâché sa finish attack. Donc il m'a pas l'air très très fort. Ouais, contre Exile. Rien à foutre, on essaie de lui mettre le buff. Oh, fais chier. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il a dit quoi? Thanks à eux. Air et l'évasion. What the fuck? Ouah, par contre là c'est quoi ces lives? On va pas aller dans le deuxième coup quand même. What the fuck, comment? Il m'a mis brave ou? Ah, ça doit être ça. Je suis mauvais quoi, je rate mes coups quoi. Oh, lessive était bonne. Je te break et pef. Et ça le reprend en plus, parfait. Contre ouais, c'était pas la bonne attaque. Bon, savoir, il a utilisé une évasion du coup. Merde, comment ça me touche derrière? Fuck. C'était nul à chier ça. Non mais.
Voilà. Oh, d'accord, il a vraiment pas dit quoi. Le mec, je lui ai même pas mis une finish attaque, je lui ai mis un coup de line drive. Bon, bah ça arrive, bon, en même temps, quand on voit son stuff. Mais du coup, c'est chiant, vu qu'il y a le 90, le 4,90 qui va arriver et que moi je joue jamais, bah je vais pas avoir de bon stuff et je vais me faire baiser un leader après. Enfin, bonsoir, on fera du leader balancé et on a trouvé le troisième combat. Je crois qu'il y a des gens qu'on connaît. Putain, de coup, il y a du monde, il se passe quoi? Ah non, une Kali, putain, ça fait longtemps. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois qu'il y a une Kali, mais en même temps, on en voit tellement peu. Ok, 325, il l'a pas monté. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué contre une Kali. Je sais plus comment on joue. De toute façon, je sais plus comment on joue contre toutes les classes, mais voilà. Genre. J'ai pas d'évasion, par hasard. Putain, mais pourquoi je fais une. Bon, c'est quoi, YOLO? Oh, je l'ai touché. La chance. Bon. C'est une quoi, Blade Dancer, du coup? Ça va, son fantôme il fait pas chier. Et pourquoi Eclipse il marche pas? Moi, j'ai l'impression qu'elle a trop de super à mort. Est-ce que je le break, ouais. Bon, on va jouer sérieusement là. Un peu pas la. J'essaie d'avoir des espoirs, mais. J'ai pas vu son ground. Putain, mais je gère vraiment pas là. Faut vraiment que je joue un peu plus à Dragon Nest en ce moment, parce que là. Là, tout mon style est en train de s'envoler. Je vais essayer de bait l'esquive. Elle joue très très safe. Elle a esquivé. Le moment parfait pour la line drive. Comment là? Je ne connais plus les techniques de Kali. Et on va juste jouer très safe en fait. Ah non, j'ai cru qu'elle venait sur moi, je suis trop con. Ah, du coup, c'est vrai qu'elle peut se heal. Putain, les génies, vaut mieux faire gaffe. Ah, s'il y a de life frame avec ça, j'avais oublié. Là, la power tumble, mais tout va bien. Elle a encore son arrière évasion. Elle l'a plus. Mais putain, j'ai... En plus, je l'ai utilisé l'évasion slash. Parfait, parfait, parfait. Je crois que je vais avoir finish attack. Non. Oh, j'ai ulti par contre. Ça a pas marché, mais. Elle a la sienne aussi, et la sienne, elle a de la super mort. Oh non! Enfin, de la super mort, le life frame. J'ai essayé d'attendre d'utiliser doucement pour pouvoir lui mettre quand même le dernier coup. Elle avait plus son essai encore. Mais je l'ai balancé YOLO sans penser. Mais ça passe, je finish attaque, on va essayer de le mettre contre le mur. C'est. Ça passe. Et ça passe. La surprise. Oh putain, il avait un bon rating, elle était dans les 2100. Elle jouait bien quand même. Mais je pense qu'elle a pas un stuff aussi bien que le mien. C'est ça qui a fait la différence, parce que honnêtement, je pense qu'elle qu'elle jouait mieux que moi sur cette partie en tout cas. Mais bon, je me suis quand même rattrapé à la fin, faut le dire. Mais j'ai pas assez d'expérience contre les Kali. Et contre les. Bah attends, c'était la première Kali niveau 80 que j'ai affronté en fait, peut-être. Je sais pas. Et du coup, XXX, Corée, XXX. Tout va beaucoup trop vite dans cette vidéo. C'est une loli, j'ai cru que c'était un guerrier au début. Il a plus d'évasion. Parfait. Non, je veux pas faire. Non, 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 je voulais faire évasion slash direct. Comment ça je tombe? Oh, j'ai réussi à l'esquiver, je crois qu'elle a lagué. Ouais. Elle a plus d'esquive, la précision du scorpion, tout va bien. Elle a plus d'évasion aussi. Ah, je vais faire gaffe. Ah, c'est pas une évasion. C'est pas grave, ça passe. Ok, niveau combo, ça va en fait. Je vous fais pas de gros spoil, mais de toute façon, j'ai pu les. J'ai pu regarder les combos avec la vidéo qui va sortir demain. Ah, je gère bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, le rebond n'était pas là. Elle va rouler. Voilà. Elle lag. C'est pas grave. Faut la laisser jouer quand même un petit peu. Enfin, pas trop quand même. Non! C'est pas grave. Rip. Elle a plus d'évasion, mais attends, on va essayer de lui bait une autre évasion. Ou de la plaquer contre le mur et de la violer. Ça marche aussi. Oh, le petit coup en l'air. Je sais pas, j'ai cru que je fais très mal avec ce coup. C'était puissant. Et ça va, pour l'instant, je m'en sors bien. J'ai pas vu combien il était par contre le premier assassin. Je pense qu'il était dans les 2000 aussi à peu près. Bon, après les lolis, j'ai jamais eu trop de mal. Mais bizarrement, même si je joue jamais là, je suis assez chaud. D'ailleurs, je suppose que c'est pour beaucoup de gens sur la chaîne, ça doit être la première fois qu'ils voient mon visage, vu que je pense que tout le monde ne regarde pas mes streams. Mais du coup, bonjour. Je sais alors qu'on est déjà à la moitié de la vidéo presque, mais j'aimerais bien qu'un jour vous découvriez l'homme derrière le personnage. Ils peuvent pas faire des events de leader, genre où il y aurait la GM qui cheaterait et qui nous one-shotterait. Moi, je m'en fous, je voudrais l'affronter. Juste pour prendre ma revanche du fait qu'elle m'ait banni.
Et du coup, on a enfin trouvé le cinquième pour moi. Et c'est un... rien du tout. J'essaie de tourner ma tête, c'est pour voir à côté du... de statue. Et je crois qu'on l'avait vu dans le... Ok, c'est une loli. Loli, ok, qui a l'air de pas avoir des très bons déplacements en tout cas. Est-ce qu'elle sait utiliser une... Ouh, encore une. Bon, je pense pas que ça va être très très dur. Elle est grade 1 quoi. D'accord, par contre, si mes coups ne la touchent pas, c'est cool. Bon. Je vais même réussir à rater mon coup quoi. Donc on va y aller vite. 10 000 par coup avec... Vas-y, on va même pas faire ça. Il a tellement par contre. What the fuck. C'était bien. 1400. Comment ça se fait? Attends. Je mets une demi-heure à trouver mon combat et je tombe contre une 1400 quoi. Là j'ai de la peine pour elle quoi. Ah, du coup, on attaque le sixième combat. Putain, ça met vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Ok, un guerrier qui a mon ancien costume. Le vrai costume des guerriers. Ok, un Dark Avenger. On va y aller doucement. Faut juste jouer prudent. Je connais plus ses attaques. C'est ça le problème. Voilà, ok, déjà, je sais qu'il lag. Si j'arrive à le cache, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui. On va lui mettre une grosse line drive. Oh, ça va faire mal. Non! Salaud! Salaud! Je te baise. Oh là là, je suis trop fort. Ok. Oh! Je peux casser une attaque, what the fuck? Ok, ok. Faire gaffe quand même. Plus c'est chiant quand même son buff avec. Il met plus de super à mort. On va faire gaffe à pas trop le laisser se transformer. Comme il va le faire là à peu près, je pense. Il a un. Putain, je suis mauvais quand même. Aïe. Faut faire gaffe, ça fait mal cette classe. C'est pas très fort, mais ça fait vraiment des dégâts de malade. Tombe, parfait. Non, j'ai pas de sort. J'aurais pu faire mon Rising Slash. Est-ce qu'il va réussir à l'esquiver? Non. Il aurait pu pourtant. Oh, c'est bon, ça se casse. Parfait. Oh non. Et voilà, c'est ça l'attaque que je cherchais tout à l'heure. Oh putain. Tombe. J'ai pas d'attaque. Ça va pas le toucher. Ok. Ça va. Putain, en fait, moi, j'ai 177 000 de vie. Bonne chance, quoi. Et on attaque le 7ème combat. Et pour l'instant, pas encore de défaite. Faut jamais dire ça, mais... Oh, la Kaylee tout à l'heure. Bon. J'allais dire, si elle joue bien, elle peut me battre, mais même si elle joue bien, j'ai trop de vie pour elle. Enfin, on sait jamais, on sait jamais. Parlons pas trop vite. Ça va, contre toi, j'ai réussi à l'esquiver cette attaque. Le contre, parfait. Le fameux compte que j'ai montré dans ma vidéo. Elle a plus d'évasion. Donc du coup, elle va bouffer. Le deuxième coup est passé. Étonnamment. Hop, le petit wall bounce, juste pour le style. Et du coup, elle a pu s'évader. Non, je crois que c'était son évasion quand même. Ah ouais, vas-y, essaye de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, elle m'a rattrapé. Il reste longtemps, putain. J'ai l'impression qu'elle a moins de super amorts qu'avant. Ok, elle va faire génie, je suppose. Mais je m'en fous, je pense pas qu'elle doit avoir encore beaucoup de vie. Je voulais pas rouler. Oh putain, et mon... Regardez, mon truc là, qui a de l'iframe, il s'est déclenché. Donc là, on va dire que j'ai eu un petit lag. Bon. Pour l'instant, c'est quand même bien parti. Elle n'a pas vu ce coup arriver. Je l'ai mis qu'un seul coup, je crois. C'est toujours ça. Putain, et mon lessive, elle est passée quand même. Non. En plus, j'ai une évasion, quoi. Genre, attends. J'ai l'impression que mes iframes ne marchent plus, là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je crois pas que c'était voulu. Je suis con. Elle essaie de gagner du temps, j'ai l'impression. Comment je l'ai mis à terre avec les Moonlight Splitter? Par contre, comment ça me bloque? Attends. Il va falloir faire gaffe quand même. Merde, je suis en plein dedans. C'est chiant pour mon... Bon, c'est bon.
malgré que mon ulti n'a pas d'iframe, c'est passé. Et elle était redevenue 1100, et on est encore battu. Et on va bientôt passer 1100. Est-ce que je l'ai déjà été en vidéo? Je crois. Si tout se passe bien, il y a moyen. Du coup, c'est bien, au niveau 90, il va y avoir les instants EX, là. Donc c'est cool. Et je sais pas s'il y aura aussi le T5, genre avec tous les sorts qui sont modifiés et tout ça. Si c'est ça, ça va être cool. Je vais sans doute pouvoir rejouer un petit peu. Enfin, pas pouvoir, vouloir surtout. Ok, un petit assassin. Putain, what? Y'a plus d'évasion. Fuck! Mais il est là, quoi! Il se passe quoi? Je ne comprends plus ce jeu. J'ai eu mon... J'ai tout qui s'est déclenché, quoi. Voilà, faut pas déconner, au bout d'un moment, c'est tout ce qui s'est pris. Et la finish attack qui l'attend à la fin, le petit stun au passage. What the fuck, quoi? Il y a déjà eu le son tas où j'ai rêvé. Bah non, putain, oh putain. Le mec, il était grade 3 losange, donc je me suis dit, oh, il va être assez fort, mais il avait sans doute un stun de merde. Et puis, c'est un assassin, ça a pas beaucoup de vie, mais... C'était le combat le plus rapide. J'ai quasiment rien gagné, par contre. C'était rapide. On attaque l'avant-dernier combat. J'ai tout le temps la même phrase. Et c'est une... J'allais dire une loli. Comment je fais pour confondre autant les classes? C'est un barbarian, je pense, dans le genre. Ouais, barbarian. Évasion. Putain, j'arrive bien à jouer. Rien à foutre. Oh, je l'ai raté de peu. Ok, par contre, on va s'enfuir. Ok, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, limite. Non, je le savais. Je voulais faire l'évasion slash. Mais du coup, t'es baisé. Il a encore son truc. Oh! C'est pas grave. De toute façon, il aurait pas dû le lancer, donc. Il méritait pas. Il n'y a pas d'évasion. Ok, ça va pas marcher, mais ça a à moitié marché, on va dire. Il va faire la circle bomb. Non. Il aurait dû. Est-ce que je peux lui annuler ça? Putain, ça a vraiment trop de super à mort. Il n'a plus beaucoup de sorts. Il vient de gâcher son esquive. Je sais ce qu'il a fait. Je pense qu'il a bientôt crash. Cette fois, c'est passé. Okay, attends, ce qu'on va faire? Ok, je pensais qu'il avait beaucoup moins de vie que ça. C'est vrai que ça a pas mal de vie, cette classe. Ça aurait pas dû marcher. Le deuxième coup, on fait gaffe, toujours. Je crois que j'avais un coup de jeu. Ça va, j'ai encore une évasion, ok. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je l'utilise beaucoup trop dans le vide, en fait, cette attaque. Je pense pas qu'on pouvait échapper à triple sache en sautant, mais... Pourquoi pas? Faut que je fasse gaffe maintenant. Merde! Putain, oh, ça me touche quoi? Bon. J'ai pas d'évasion, faut faire gaffe. Oh non, non, non. Mais t'es. Attends, non, 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 je suis pas d'accord quoi. Attends, le. Je suis pas sûr, attends, je vais aller vérifier la valeur, parce que là je suis pas d'accord. Oui donc non, je suis pas d'accord, je vais vérifier, le sort qu'il m'a fait ça a genre 200 ou 600 de super à mort, et mon ulti elle a au moins 1200, ou 800, mais enfin dans tous les cas elle a plus, donc c'est pas normal qu'il l'ait cassé. Donc, voilà, je suis pas d'accord. Putain non mais c'est n'importe quoi quoi, on a tout vu quoi, un cri qui casse une ulti. Je m'en fous, ça compte pas comme une défaite, pour l'instant j'ai 9 victoires. J'ai envie de retomber contre lui et de le défoncer parce que je fais de la merde. Enfin, j'ai pas fait de la merde, mais à la fin, je croyais qu'il lui restait vraiment plus de vie, du coup, j'ai balancé mes sorts YOLO, comme la finish attack sur Iron Skin. On a trouvé le dernier combat, du coup. Une loli, Skashota, Skashota, obligé. Oh, le Fredette, ça va aussi. Le dernier combat, quoi. Bon, par contre, si je perds... Oh là. Non, je voulais l'esquiver, mais... Ok, c'est mal parti. Est-ce que les Chris Ducks c'est 1% de sa vie? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont moins résistants que les autres. Non, je l'avais ride mais. Ça n'a pas marché, rien à foutre. Oh non! C'était obligé. Je suis surpris que j'ai réussi à la remettre dans un combo à partir de là.
D'accord, mon Rising Slash qui dit non. Evasion Rip. Elle aurait dû essayer de me taper avec ça, je pense. Bon, je crois qu'elle... Ouais, elle lag un peu. On va pas retenter la Finish Attack YOLO. Je vais arriver à la mettre, mais... Putain, mais... Il y a une malédiction, je crois, avec la Finish Attack sur le box. Avec la magie de Noël qui revient. Ça lag. Tu lag. Rien à foutre. Elle était bloquée avec mon Counter Exile. Ça va, je suis gentil. Bon, bah du coup, on n'aura pas eu les 2100 à cause de ce fils de pute de lag de mercenaire de mes couilles. Et du coup, c'est sur cette magnifique phrase poétique qu'on va se dire au revoir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. C'est génial.